Et c'est vrai que l'épreuve de l'heure et des 20 km, c'était pareil que le 10 000, c'était super. Malheureusement, c'est mort. J'espère que le 10 000 va aussi continuer, parce que sinon, ça serait vraiment triste pour l'athlétisme. De France de 10 000, où seulement 4 femmes se sont lancées, Marion Plaquette en tête devant Perrine Rosa-Lahumeau, Elodie Naz et Clémentine Archinard. 4 femmes seulement dans un championnat de France, c'était le plus petit chiffre jamais vu. Ça filme là ? Ouais. Okay. 93, Mathieu Brûlé du SA Toulouse. Allez, c'est parti pour 25 tours, 3000 mètres. Allez, allez. La France élite masculin. Fait pour Rapimel, puisque c'est un ami, c'est un mec qui est vraiment passionné, qui a du cœur. Il m'a invité pour la course des VIP des anciens. Sur piste, hein, j'ai pas fait grand chose. Mes meilleures performances ont été sur route là depuis à peu près un an. Voilà, j'ai couru sans penser au chrono, je crois faire moins de 29-30 pour casser un peu la barre. Je venais vraiment pour conjurer le sort et essayer de me redonner la confiance. C'est pour ça que c'était pas, je l'ai surtout fait pour l'organisation. Puis, comme on disait tout à l'heure, la jeunesse, elle a besoin un petit peu de... Comme on dit, un peu les soutenir. Ils changent vite d'avis et pour faire une carrière, bah, il faut essayer un petit peu d'aller vers eux et leur éviter les erreurs. Merci. Je comptais faire un podium. Je n'ai pas voulu me mettre la pression, mais je savais qu'aussi le titre c'était possible. Mais... Luc et lui juste derrière. Bastien, je le connais un peu, il est de ma ville. C'est un athlète qui, bon là, il a tenté, il a loupé, mais c'est sa première piste. Mais
il est monstrueux. Quand je l'ai vu partir, j'ai pensé que c'est lui. Après, il a bien géré parce qu'on l'a calmé pour qu'il m'attende. Clément Glada, il n'est pas encore tout à fait revenu. J'étais monté sur marathon et là, suite à on va dire une grosse blessure où je me suis fait opérer, j'ai décidé de revenir sur un peu sur 10 km, faire un peu de rire. Le Tunisien Kmes Abassi est dans la foulée toujours de l'autre d'entrée. J'espère que la fédération va me donner ma. Si elle m'écoute là, si elle me regarde, ma première sélection. C'est carrément pas les mêmes sensations. J'ai suivi les consignes de mon entraîneur. Il m'a dit de manier les 5 premiers kilomètres, de suivre la première espoir et d'accélérer quand il me le disait à la fin. L'EDM après un titre de champion de France de ce marathon à Saint-Omer en octobre. Et le 5000 c'est facile à côté. Enfin, c'est déjà dur mais ça, moi je le sentais vraiment dur parce que quand on a fait 5000 mètres, en fait c'est facile le 5000 mètres à côté du team. De France. 4 mois sans courir et 4 mois que je cours. Faire 29-40, pour moi c'est que je suis satisfait. En partant moins vite, je me suis rendu compte que je me sentais mieux à la fin. Ah, c'est bien, je vais en faire ça, c'est sûr. C'est énorme.